nos étudiants puissent développer plusieurs compétences en même temps. Non seulement des compétences linguistiques, mais aussi des compétences en littératie digitale, notamment l'utilisation des outils numériques, et aussi une certaine aisance dans l'apprentissage de la langue par eux-mêmes, donc en autonomie. On a vraiment voulu ce cours le plus inclusif possible. Ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment un étudiant type. C'est justement pour des classes dans lesquelles les étudiants ont des profils très divers, des connaissances de base qui sont très différentes. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de mettre tout le monde au même niveau grâce à cet enseignement. Nous allons continuer à vraiment développer cette utilisation des traducteurs automatiques comme tremplin vers l'apprentissage des langues, parce que on sait que la plupart des étudiantes et des étudiants les utilisent tous les jours, et c'est important qu'ils puissent le faire de façon consciente et de façon la plus efficace possible.